Non, moi, ça fait de Russia Today, il a reçu monsieur Igor Nikolin, qui est membre de service de recherche l'arme biologique en Russie, et professeur à l'université, un savant, consultant d'État, etc., etc. Et quand il parle avec lui, avec Igor Nikolin, il dit, alors, cet virus de Corona, c'était voulu comme ça ou c'était fabriqué? Lui, il dit, non, depuis 20 ans, nous sommes témoins de l'existence de plusieurs virus qui étaient fabriqués et manipulés dans le laboratoire privé des think tanks mondial. Ce think tank mondial utilise cette arme biologique pour écraser, écarter leurs ennemis politiques. Il dit autour Igor Nikolin, chercheur, professeur, docteur de la Russie, il dit à Salam Mousafer qu'autour de la Chine, il y a environ 20 laboratoires, ou peut-être 200 laboratoires, qui sont en train de faire des recherches pour la création des virus à Kazakhstan, l'Ouzbékistan, tout cet ancien, toutes les petites provinces, l'ancien Perse, l'ancienne Union soviétique, actuellement soi-disant indépendant, qui dit partout autour de la Chine, vous avez des laboratoires pour fabriquer ces virus. Il dit les Américains, ils ont fait exprès de ramener leur laboratoire de fabrication de virus. Cherche bien sûr dans ces domaines en dehors de leur pays. Pourquoi? Parce qu'il y a un objet potentiel assez important que s'il y aurait un accident, ça va être grave pour le peuple américain. Pour ça, tout ça, ils l'ont fait en dehors. En dehors. Salam Mousafer, il pose la question à Igor Nikolin. Franchement, il dit alors, vous pensez que ce virus de Corona, c'était fabriqué et on l'a dispatché exprès pour certains pays? La réponse est oui. Il dit oui, ils ont fait ce virus pour combattre certains pays qui ne sont pas d'accord avec les Américains. C'est la Chine, l'Iran et l'Italie et d'autres pays. Alors, il précise, M. Igor Nikolin, dans cette interview, comme quoi ce n'est pas le gouvernement américain qui fait. Il dit il y a des think tanks, il parle de 200 familles qui tiennent 40 000 milliards de dollars. Une grande économie mondiale. Et ces gens-là, ils pensent qu'il faut réduire le nombre d'habitants sur Terre et il faut le ramener à une dizaine. Une dizaine de ceux qui existent actuellement. Et encore, il précise que ça, ce n'est pas l'idée officiel du gouvernement américain. Mais c'est une bande, un groupe, une partie des think tanks riches et qui maintient l'économie mondiale, qui pense à ça, qui vont faire ça. Salam Mousafer, il pose la question à Igor Nikolin, il dit, alors on dit l'alcool tue le virus Corona.
Alors, si en Russie, on ne voit pas beaucoup des gens infectés à ce virus, est-ce que c'est pour et parce que les Russes, ils boivent beaucoup de vodka après... Nikoline, il dit, la Russie, il a pris des décisions un peu sages par rapport à l'équilibre mondial. C'est vrai qu'ils sont en concurrence peut-être avec les États-Unis, mais ils respectent certaines règles, c'est-à-dire qu'ils respectent certaines règles de 200 familles qui gèrent le monde, c'est ça son idée. Et c'est pour ça que la Russie était éloignée, mais sans aucun doute, il y aura des voyages et des voyageurs qui vont ramener par partiellement ce virus dans notre pays, en Russie. Salam Moussafer, il dit depuis toujours, depuis le milieu soviétique, on savait nous très très bien que la Russie toujours était très très fort pour créer l'antidote militaire ou biologique ou je ne sais pas quoi. Alors cette fois-ci aussi, sans aucun doute, la Russie prévoyait cette histoire qui a été écrite il y a déjà longtemps. Alors, Nikoline dit, c'est vrai, pour créer le vaccin pour chaque virus comme le corona, il faut... Et environ un an du temps, on a besoin pour fabriquer l'antidote, le vaccin. Alors ça, c'est une partie de mon émission de ce soir que je vous ai fait écouter l'interview que M. Salam Moussafer il avait fait en Russie. L'origine, c'était M. Nikoline, il parlait russe, après, pour l'émission de Salam Moussafer, c'était traduit en arabe, et moi, c'est comme ça, je l'ai fait en persan, vous étiez en train d'entendre ma voix en persan, comme ça aussi, je l'ai traduit pour vous en français, pour mieux comprendre cette histoire. Alors, d'autres choses qui est très importante concernant cette virus, c'est un petit programme qui a été diffusé sur coronavirus, bien sûr, par la télévision d'Allemagne. Alors, la télévision d'Allemagne aussi, sans aucun doute, ça pourrait être très intéressant pour vous, mes chers amis, pour que vous voyez comment... c'est une télévision, alors, ce n'est pas l'État, soi-disant, d'Allemagne, Germanie, non. Ça, c'est seulement une petite émission de la télévision allemande que je vais vous faire écouter, mes chers amis. Écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM. L'humeur du temps vous est présentée par David Abbassi, écrivain et historien, tous les premiers et derniers samedis de chaque mois. Vous avez la parole pour vous exprimer, poser vos questions, partagez vos points de vue